Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos sur Draenor et qui est également la vidéo tout simplement de l'histoire des Draenei, puisque nous avions vu dans la précédente vidéo l'effondrement de l'Empire Gorien. On va revenir dessus bien entendu et les conséquences de la destruction de l'Empire Gorien. On en avait parlé un petit peu, hein, le fait que forcément ça rabatte les cartes et que du coup les orques prennent davantage de place sur le monde de Draenor, qui avait également un retour des briseurs et des primordiaux. Mais il y a une puissance qui va également faire des siennes et ce sont les Draenei. Donc Draenei, Draenei, vous prononcez comme vous voulez. En l'occurrence, nous allons donc mettre Draenor de côté, le temps tout simplement, et bien d'établir un petit peu qui sont les Draenei. Alors j'ai fait une vidéo évidemment de généalogie sur les Draenei, mais là on va revenir en détail sur leur histoire, notamment l'origine, à savoir leur monde de départ qui était Argus. Argus, qui est Targus hein, d'ailleurs, ça ne change rien, même si on verra qu'il y a toute une série d'événements qui va se passer autour d'Argus. Donc, en quittant Draenor, nous allons réattaquer, donc il y a des millénaires, puisque nous étions un petit peu, j'ai envie de dire, quelques centaines d'années avant l'ascension de l'Horde, donc qui va amener à la date zéro, la date butoir, qui est tout simplement Warcraft 1, avec le débarquement des orques de Draenor sur Azeroth. Là, en l'occurrence, ça se passe 25 000 ans avant tout simplement l'ouverture de la Porte des Ténèbres. Nous sommes sur le monde d'Argus, un monde très lointain, qui est au final le monde natal d'une race que l'on appelle les Eredar. Les Eredar, c'est une race d'esthètes ayant un don pour la canalisation magique, sous toutes ses formes d'ailleurs, hein, mais plus principalement la magie arcanique. Et au final, eh bien, nous avons une civilisation hein, qui est basée sur la magie et qui, encore une fois, est une race extrêmement lettrée où les arts, la science, la magie et même leur technologie est orientée autour de la canalisation de la magie. Là-dessus, ça doit vous rappeler une autre race, à savoir les Hauts-Elfes. Hein. En l'occurrence, c'est assez logique puisque ils ont pas mal de points communs. On verra après, ils ont vraiment pas mal de points communs. Et donc là, on est un âge d'or hein, pour les Eredar. Puisque les Eredar, eh bien, ont basé leur société sur justement le maniement de cette magie arcanique, mais à l'origine, il y avait encore quelque chose d'autre, qui est tout simplement un cristal qui existe dans la civilisation de Draenei depuis très longtemps, qui est le cristal Atamal, un cristal qui reste un mystère pour enfin, je dis les Draenei, pour les Eredar. Et en l'occurrence, eh bien, certaines légendes évoquent le fait que ce cristal ait été une des premières pierres de l'édifice de la civilisation Eredar sur Argus. Et au final, eh bien, il reste tel une pièce de musée, une pièce de collection autour du siège du pouvoir Eredar. Il est là depuis les temps anciens. Et au final, eh bien, les Eredar vont le consulter parfois. Et tout simplement, c'est une sorte de salle de méditation. Ils peuvent parler. Parler de leurs doutes notamment. En l'occurrence, cette civilisation florissante, hein, basée sur la magie arcanique et a conquis l'ensemble du monde d'Argus et qui au final, alors il y a forcément eu des tensions, etc. Mais ce qu'on sait d'Argus, c'est pour le coup quelque chose d'assez pacifique entre guillemets. On sait qu'Argus est une civilisation très avancée avec des êtres extrêmement intelligents. Et en l'occurrence, eh bien, l'utilisation de la magie arcanique va attirer l'attention d'un être supérieur, Sargeras, le titan noir, hein, un être démoniaque qui est tout simplement eh bien, à la recherche de combattants exceptionnels. Et plus que de combattants, il est à la recherche d'agents de confiance, d'agents qui pourraient tout simplement servir de grands généraux pour son armée, pour ses projets, pour ses plans de Légion Ardente. Et en l'occurrence, eh bien, ils voient en eux des êtres exceptionnels qui pourront mener ces armées démoniaques sur lesquelles il a des doutes, on va dire. Il a des doutes, il n'est pas sûr d'avoir confiance pleinement dans les autres créatures. Donc il veut des généraux qui lui soient fidèles et qui soient aptes à pouvoir gérer ces légions démoniaques. Et en l'occurrence, eh bien, en moins 25 000, donc avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, donc 25 000 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, les Eredar sont à l'apogée de leur civilisation
Et notamment, eh bien, ils sont dirigés par ce qu'on appelle un triumvirat, c'est-à-dire trois dirigeants, hein, vous les voyez ici. Alors malheureusement, on n'a pas de jolies images les regroupant, donc on va se contenter de leur modèle en jeu. Mais en l'occurrence, donc nous avons Kil'jaeden tout à gauche, nous avons Velen au milieu, hein, qui est encore un petit peu jeune, et nous avons Archimonde qui est juste là, donc tout à droite. Et au final, eh bien, ils vont être approchés par un être de lumière, à savoir Sargeras, qui se fait passer pour un être de lumière et qui va leur offrir eh bien, une possibilité, c'est de s'élever parmi les étoiles, de devenir encore plus puissants qu'ils ne le sont déjà. Il va leur apprendre de la maîtrise magique, il va leur apprendre tous ses secrets, tout ce qu'il connaît, il va le partager avec eux, mais en échange de ces nouvelles connaissances et de ce nouveau pouvoir, il veut une loyauté indéfectible à son égard et à l'égard de ses, et surtout envers ses projets. Et ça, eh bien, forcément, au départ, le triumvirat en discute. Et ils sont quand même un petit peu attirés, forcément. Ils sont un petit peu charmés par l'offre. Et malgré tout, Velen a des doutes. Et il va justement, eh bien, aller consulter le cristal Atamal, méditer un petit peu, puisque lui-même, hein, comme Archimonde et Kil'jaeden, ils sont. Enfin, Velen sent qu'il y a effectivement. Ça a l'air d'être une offre alléchante, mais il sent qu'il y a quelque chose derrière, et donc en faisant cette méditation autour du cristal Atamal, il voit eh bien, le futur, il a une vision du futur, de ce qui pourrait advenir s'il acceptait justement ce marché, et si ses amis, si les autres membres du Triumvirat acceptent sa proposition. Et en l'occurrence, ce qu'il voit va le glacer d'effroi. Ses propres frères, hein, ses amis vont se transformer en démons et mener une croisade infernale à travers tout le cosmos, calcinant des mondes après mondes, détruisant la vie, massacrant tout simplement des milliers de races, des millions même de races différentes. Et à ce moment-là, eh bien, Velen est totalement meurtri par sa vision et il va en parler avec Kil'jaeden et Archimonde. Et au final, eh bien, il sera totalement ignoré. Kil'jaeden et Archimonde sont totalement séduits par l'offre de Sargeras. Et au final, eh bien, ils vont mettre de côté la vie de Velen en pensant que c'était juste un rêve, juste un cauchemar, etc. Et au final, eh bien, ils vont accepter tout simplement la proposition de Sargeras. Ce qui va avoir des conséquences évidemment directes, hein, puisque eh bien, cela va transformer la civilisation Eredar, qui va eh bien, faire en sorte que la société va accepter la sorcellerie, ou plutôt l'occultisme, hein, la magie noire. Et donc, eh bien, petit à petit, Argus ouvre la porte aux démons, et eux-mêmes, les Eredar, deviennent petit à petit des démons. Velen, comprenant la gravité de ce qui arrive, gravité de la situation pour lui, et les autres Eredar qui n'ont pas accepté justement la proposition de Sargeras, il sait que ça va barder, hein, que ça va mal se passer pour lui et les siens. Et à ce moment-là, eh bien, il est un peu désespéré, il continue de s'entretenir avec le cristal Atamal pour essayer de calmer son esprit. Et au final, eh bien, le cristal Atamal va lui répondre à sa grande surprise. Il va scintiller et à ce moment-là, eh bien, il va rentrer en résonance avec le cristal. Et le cristal, eh bien, va émettre un son, une voix, la voix d'un être qui se fait appeler Naru, qui est une race sapiente qui a comme ennemi les démons, et en l'occurrence, eh bien, Sargeras est justement leur dirigeant. Et à ce moment-là, c'est une sacrée révélation, puisque bah, les Eredar ne connaissent pas ce que sont les Naru, donc pour Velen, c'est une grande première. Hein, déjà, il venait d'être contacté par Sargeras, qui était un être venu du cosmos. Et bien là, Velen reçoit une invitation d'un autre membre du cosmos, en l'occurrence, le Naru, qui s'appelle Kure, propose d'emmener Velen et ses partisans en lieu sûr, en utilisant le cristal Atamal comme balise, afin de servir de point de fuite, en fait, tout simplement, loin des griffes du Titan Noir et de ses séides. Et au final, eh bien, Kure lui raconte que le cristal Atamal était un cadeau que les Naru avaient offert au peuple Eredar il y a des millénaires, et qui servait de balise pour pouvoir justement eh bien, activer justement le relais afin que les Naru puissent venir et puissent aider les Eredar en cas de besoin. Et en l'occurrence, eh bien, Velen va justement rallier ses partisans, ceux qui ont refusé le cadeau de Sargeras, et au final, eh bien, il va leur offrir la salvation grâce aux Naru, grâce à Kure notamment, et au cristal Atamal. Il va confier la tâche de rassembler certains de ses partisans à l'un de ses amis proches, à savoir Talgas, ou Talgat, comme vous l'appelez comme vous voulez,
Sauf que le problème, c'est que Talgas, c'est tout simplement eh bien, un partisan de Kil'jaeden. Puisque bah, il s'entend très bien avec Kil'jaeden, et Velen et Kil'jaeden d'ailleurs sont des amis, dont des amis très proches. Velen a de bonnes relations avec Archimonde, mais il entretient surtout d'excellentes relations avec Kil'jaeden. Et au final, Talgas est partisan tout simplement de Kil'jaeden. Et il voit vraiment Sargeras comme justement la divinité qu'il prétend être, qui amène un pouvoir exceptionnel. Et Talgas, eh bien justement, là-dessus, est totalement séduit, tout comme son maître Kil'jaeden. Et bien au final, trahir Velen en justement livrant hein, les informations qu'il a récoltées à Kil'jaeden, à son maître Kil'jaeden. Kil'jaeden, en l'apprenant, est fou furieux. Et au final, eh bien, les partisans de Velen vont être traqués et débusqués par Talgas et les autres agents de Kil'jaeden. Ce qui va à un moment donné eh bien, amener la destruction du cristal Atamal en 7 morceaux. Mais malgré tout, eh bien, nous allons, enfin, le cristal Atamal sera quand même apte à être utilisé. Le souci, c'est que pendant ce temps sur Argus, eh bien, c'est une véritable hécatombe. C'est une véritable tragédie qui se produit avec tout simplement une Saint-Barthélemy à l'échelle planétaire, à savoir une guerre civile. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de guerre quand au final, eh bien, une grande majorité du peuple Eredar a rejoint tout simplement Sargeras et que du coup, c'est plutôt la minorité qui se fait traquer et qui se fait massacrer sans vergogne par les fidèles de Sargeras. Et donc, eh bien, certains vont se regrouper dans différents endroits pour essayer eh bien, d'atteindre les arches Naru, hein, qui ont été contactées par la balise, le cristal Atamal, afin de quitter la planète Argus, qui vit un des plus grands bouleversements de son histoire, si ce n'est le plus grand bouleversement de son histoire. Sachant que d'autres, justement, Zeredar se sont cachés à ce moment-là, n'ont pas pu atteindre tout simplement les arches et ont dû se cacher en attendant que la purge se termine sur l'ensemble de la planète. Ce qui fait qu'on retrouvera justement certains de ces exilés, on va dire, mais pas exilés, certains de ces cachés, certains de ces Zeredar cachés depuis 25 000 ans, on les retrouvera plus tard. Mais en l'occurrence, eh bien, Kil'jaeden fut furieux, hein, puisque Velen et les siens, du coup, ont réussi à atteindre les arches Naru et à quitter tout simplement la planète Argus. Et au final, en apprenant l'échec justement de Talgas, qui avait pourtant détruit au final le cristal Atamal, ça n'a pas suffi. Et donc, eh bien, Kil'jaeden est complètement furieux d'apprendre que Velen, son meilleur ami, lui a échappé. Ce qui fait qu'il est à deux doigts de tuer Talgas d'ailleurs, mais finalement il va le laisser en vie, puisque il a encore besoin de lui. Et au final, Kil'jaeden voit en fait, le départ de Velen ainsi qu'une partie de son peuple comme une véritable trahison. Hein. Il ne s'attendait vraiment pas à ça de la part de Velen, même si Velen avait exprimé ses doutes. Kil'jaeden pensait que ça allait être voilà, juste. Velen était quelqu'un de très droit et quelqu'un qui pensait à l'avenir de son peuple et que du coup juste Kil'jaeden pensait que Velen ne voyait pas que toutes les possibilités que s'offraient au peuple Eredar. Il s'attendait juste à ce qu'avec le temps il change d'avis et là du coup il le vit comme une véritable trahison, comme un coup de couteau dans le dos. Et au final, eh bien, Velen ne voit pas le bien fondé justement qu'apporte Sargeras. Et ça va tourner à l'obsession pour Kil'jaeden qui se refuse tout simplement de laisser partir Velen. Là où Archimonde n'en a cure au final, Archimonde va se concentrer sur les plans justement et l'exécution de la volonté de Sargeras. Kil'jaeden, lui, même s'il reste là où Archimonde deviendra le général en chef des armées démoniaques, Kil'jaeden, lui, va être justement celui qui va prendre les informations, qui va être le grand informateur, qui va être, on va dire, le deuxième grand. Enfin, c'est aussi un grand général, mais lui, il ne s'occupe pas forcément du militaire, plutôt tout ce qui est réseau d'informations, espionnage, etc. Et en l'occurrence, eh bien, même s'il fait son travail, bien sûr, pour la Légion Ardente, il a toujours cette obsession derrière lui, qui est tout simplement la traque de ses anciens frères, notamment Velen. Et au final, eh bien, les Eredar qui ont suivi Velen dans les arches Naru et qui ont fui Argus avant que la Légion Ardente les attrape vont se rebaptiser les fameux
Draenei ou Draenei, prononcez comme vous voulez, qui signifie les exilés en Eredun, qui est la langue des Eredars justement, alors que les Eredars qui ont rejoint la Légion Ardente, eh bien, se feront dès à présent appeler les Manari, notamment par Velen et les siens. Ça, on en parle un peu plus en détail sur la vidéo de généalogie sur les Draenei. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, eh bien, les Draenei, du coup, ont été sauvés par l'énigmatique race que j'aime bien appeler les Arbis, hein, les Naru, qui vont avoir aussi leur bénédiction. Hein, ce qui fait que les Naru vont partager une partie de leur connaissance et de leur pouvoir issus d'une des forces cosmiques qui habitent le cosmos. Enfin, pas vraiment le cosmos, puisque c'est. Mais bon, ça fait partie de la dimension réelle, mais du cosmos, mais au final c'est une force qui vient de sa propre dimension, à savoir la lumière avec un grand L. Et au final, les Naru vont apprendre au Draenei que c'est pas terminé, et qu'au final il y a d'autres forces dans le cosmos qui œuvrent face à la Légion Ardente, et que de toute façon, eh bien, ils continueraient de veiller sur le peuple Draenei. Donc trois Naru partiront avec Velen et les siens, à savoir sur l'arche. L'arche Naru sur laquelle ils sont, c'est le Genedar. Et au final, eh bien, ces trois Naru, ils se font appeler Doré, Kouré et Kara. Des noms qu'on va réutiliser après, hein, puisque ils vont être assez importants, ces Naru, évidemment. Certains autres Draenei n'étaient pas dans le Genedar, hein, l'arche de Velen, mais dans d'autres arches comme le Xenedar, qui a pu échapper justement à la purge d'Argus, avec à son bord les autres Draenei qui deviendront les Sanctforges. Mais il est tout à fait possible qu'avec le développement de la licence et de l'histoire de Warcraft, eh bien, dans le futur, avec je sais pas, la découverte d'autres mondes, eh bien, on puisse justement redécouvrir d'autres colons. D'autres exilés Draenei qui ont fui la purge d'Argus. Alors, pas forcément Sanctuforge, parce que les Sanctuforges du Xenedar sont très liés au Naru spécifique qu'est Xera, mais en l'occurrence, peut-être des Draenei un peu plus proches des Draenei qu'on connaît de Velen, ou même potentiellement d'autres Rouées, mais on en reviendra sur les Rouées. Les Rouées, c'est par exemple eh bien, les Draenei qui sont restés en place sur Argus, mais qui n'ont pas rejoint la Légion Ardente. Au final, eh bien, sous la guidance des Naru, les Draenei éparpillés, un jour pourront se rassembler en ce qu'on appelle l'armée de la lumière, une armée qui serait inarrêtable et qui pourrait vaincre justement la Légion Ardente. Et au final, eh bien, c'est le partage de connaissances et, on va dire, tout simplement le fait que les Naru aient autant contribué à sauvegarder le peuple Draenei, qui fait que finalement, eh bien, les Naru vont être adoptés comme divinités tutélaires des Draenei. Et vont devenir tout simplement eh bien, des serviteurs de lumière. Et ça, c'est assez important, puisque c'est le changement, on va dire, puisque les Draenei, avant, bon, il pouvait y avoir un peu de croyance, etc. Mais en l'occurrence, c'était surtout une race de magiciens, en fait. Et c'est toujours une race de magiciens, d'ailleurs, hein, les Draenei. Mais c'est là, vraiment, de là que naît justement ce culte des Naru, et notamment ce culte de la lumière, qui a une place prépondérante dans la société Draenei, la société des exilés. Vous l'imaginez avec, tout le travail qui a été accompli pour pouvoir les sauver. Et donc, eh bien, ils vont commencer à arpenter ce qu'on appelle la ténèbre de là, hein, à savoir l'espace de la dimension réelle, et ils vont essayer de trouver tout simplement un nouveau refuge. Et à un moment donné, eh bien, ils vont trouver un monde assez reculé qui semble favorable à la vie, et donc, eh bien, ils vont s'y diriger pour pouvoir, eh bien, rebâtir leur civilisation. Alors, certes, ils ne sont pas très nombreux, hein, les exilés Draenei du Genedar qui ont suivi Velen et les trois Naru, mais au final, eh bien, ils peuvent rebâtir leur civilisation, même si c'est à petite échelle, ça reste leur civilisation. Cependant, bah, comme on en parlait, la haine de Kil'jaeden est insatiable, et au final, eh bien, ça va aboutir justement. Kil'jaeden avait choisi d'épargner Tal'gas malgré son échec sur Argus. Eh bien, Tal'gas va faire amende honorable puisqu'il va retrouver la piste justement de Velen et des Draenei, et il va eh bien devenir le tracker personnel de Kil'jaeden, chargé de la mission de retrouver Velen. Et finalement, il le retrouve. Il arrive à les débusquer sur le monde, ce monde qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas son nom, mais le premier monde sur lequel les Draenei se sont exilés. Eh bien, la Légion Ardente va les retrouver et va mettre le paquet pour les anéantir. Donc Tal'gas va réussir à s'infiltrer, petit à petit, eh bien, il va faire venir la Légion Ardente, ce qui fait eh bien, que les Draenei vont devoir repartir de ce monde. Le problème, c'est que la Légion Ardente arrive avec
avec toute la force possible, toute la force de frappe auquel a accès la Légion Ardente, et donc eh bien ils arrivent avec toutes les légions démoniaques, et au final eh bien le monde va être consumé, le monde va être absolument détruit, il ne restera plus rien après le passage des Draenei, et malheureusement eh bien ça va continuer puisque l'assaut va être extrêmement violent. De nouveau, les Draenei sont traqués sans merci et ils vont eh bien, malheureusement devoir passer de monde en monde pour essayer de se sauver. Le problème, c'est que donc, bah, le Génédar va pouvoir servir encore une fois d'arche pour les sauver. Mais c'est pas fini parce qu'on aurait pu se dire qu'après la destruction d'Argus, la sombre histoire était derrière eux. Mais non, en fait, ça va continuer sur le premier monde qu'ils ont trouvé. Et le monde d'après, ça va être la même chose. Et malheureusement, eh bien, les Draenei portent... avec le stigmate de leur passé, portent malheureusement très bien leur nom, puisqu'ils vont être les exilés perpétuels, les exilés permanents, allant, arpentant la ténèbre de l'au-delà, à la recherche d'un monde qui puisse servir de sanctuaire, sauf qu'à chaque fois, la Légion Ardente les retrouve, carbonise absolument tout du monde sur lequel ils se sont installés. Et ça, faut comprendre que en fait, bah, les mondes sur lesquels ils s'installent, bah, c'est un petit peu revivre en fait la perte d'Argus à chaque fois pour les Draenei. Et c'est quelque chose de... On a tendance à ne pas se rendre compte en fait de ce que cela représente, donc je tiens à poser un petit peu le récit. Vous imaginez qu'en fait, vous avez des familles entières. Certaines ont été séparées, d'autres sont restées sur Argus, ont choisi de rejoindre Sargeras, d'autres n'ont pas pu rejoindre l'Arche à temps, d'autres ont dû atteindre d'autres arches, etc. Ils trouvent pendant des centaines d'années, ils mettent du temps à trouver un monde, ils trouvent un monde, ils s'installent dessus. Ils vont petit à petit rebâtir leur foyer, leur maison, etc. Ils vont découvrir le monde sur lequel ils vivent, la nature, enfin tout ce qui va être faune, flore, potentiellement des races intelligentes qui sont présentes dessus, avec lesquelles ils vont nouer des relations cordiales, d'étroites relations même, sachant que les Draenei, on sait là-dessus que les premières espèces qu'ils vont croiser, ils vont être extrêmement proches d'eux, ils vont être extrêmement... il va y avoir d'étroites relations qui vont être bâties. Et au moment où la Légion Ardente les retrouve, eh bien, c'est un nouvel apocalypse qui va s'abattre sur le monde. Et ce qui fait que les Draenei, eh bien, voient des personnes avec qui ils se sont liés d'amitié qui se font tuer. Alors, ils perdent certains des leurs aussi, mais surtout le monde sur lequel ils sont venus, bah, en fait, c'est presque comme s'ils apportaient le malheur avec eux, puisque la planète sur laquelle ils se sont réfugiés va être détruite. Les êtres, la faune, la flore de ce monde va être absolument calcinée, va être détruite. Et derrière, eh bien, ils vont faire comme ça, hein, transition sur un autre monde qui va aussi être détruit, transition vers un autre monde qui va être détruit. Donc c'est revivre en permanence les traumatismes du passé, c'est réouvrir à la plaie pour se réenfoncer un couteau, c'est quelque chose qui est absolument abominable à vivre et surtout à revivre pour les Draenei. Et à un moment donné, en fait, eh bien, les fuites perpétuelles en catastrophe vont avoir raison du Génédar qui va être gravement, l'arche justement, hein, l'espèce de vaisseau Draenei, va être gravement endommagé. Et l'un des Naru qui eh bien, était à l'intérieur, à savoir Kara, va être mortellement blessé. Ce qui fait que quand un Naru est blessé, gravement blessé, il entre dans la phase du vide. C'est-à-dire que c'est un être de lumière et au moment où il meurt, il passe en être du vide. Et en l'occurrence, eh bien, Kara a conscience justement qu'il est condamné. Et donc il va demander au Draenei de l'évacuer, de l'éjecter de l'arche pour éviter justement qu'il détruise, qu'il fasse du mal aux autres Naru et éventuellement qu'il mette... qu'ils détruisent en fait l'arche et donc les Draenei qui sont à bord. En l'occurrence, même s'il dit ça, en fait, il a déjà atteint son cycle du vide et donc il va commencer à attaquer les deux autres Naru. Il va y avoir une véritable bagarre, hein, entre les trois Naru. Et au final, eh bien, Velen va sauver la situation en réussissant à éjecter justement le Naru du vide, à savoir Kara. Et ce qui va être très important, c'est que du coup, eh bien, Kara est éjecté de l'arche. Le problème, c'est qu'avec l'absence de Kara, le bon maintien du Génédar va être compliqué. Mais je tiens à rappeler d'un point de vue historique, puisque j'ai rappelé les événements, mais d'un point de vue historique, ce que cela représente, le moment où le Génédar est mis hors d'état de nuire et qu'il ne pourra plus faire justement de bon. En gros, c'est le dernier monde sur lequel les Draenei peuvent se réfugier, puisque le Génédar
n'est plus contrôlable et est hors d'état de. Il est hors d'état en fait, hein. Il ne peut plus fonctionner efficacement. Donc c'est le dernier monde sur lequel les Draenei vont se poser. On sait que globalement à peu près que les Draenei ont visité une douzaine de mondes. Et quand on dit une douzaine de mondes, ça veut dire une douzaine de mondes qui ont été retrouvés par la Légion Ardente et qui ont été entièrement calcinés, entièrement consumés par la Légion Ardente. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça va se passer sur 25 000 ans, globalement. C'est à peu près 25 000 ans de fuite en avant perpétuelle pour la race Draenei. Encore une fois, avec des races qui sont exterminées pour seul motif d'une haine infinie et d'une traque insatiable de la part de Kil'jaeden. Et au final, eh bien, les Draenei vont, qui encore une fois, à chaque fois, s'adaptent à un nouveau monde. Ce monde est détruit et ils passent à un autre. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'est le dernier monde puisque le Genedar ne pourra plus redécoller. Le Genedar va s'écraser en rentrant dans l'atmosphère d'un monde rouge. Il va s'écraser dans un monde que les Draenei vont baptiser Draenor, à savoir tout simplement le monde de l'exil en fait, hein, puisque les Draenei sont les exilés. Draenor, c'est le monde de l'exil. Et en l'occurrence, eh bien, l'arrivée des Draenei sur le monde rouge a des sources assez différentes, hein. L'histoire Draenei est surtout basée sur du Burning Crusade, globalement, l'extension Burning Crusade. Et en l'occurrence, eh bien, à Burning Crusade, on a des sources contradictoires concernant l'arrivée en orbite et le crash du Genedar sur Draenor. Puisque, eh bien, on a des sources qui attestent moins 2000 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres et d'autres qui indiquent moins 200 avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres. Donc, c'était pas tout à fait fixe à l'époque de Burning Crusade, mais le truc, c'est que la date de moins 200 qui vient de l'ascension de la Horde, enfin, en fait, c'est un peu bizarre parce que l'ascension de la Horde parle des deux, en fait, hein. Et en quête, on a les deux, encore une fois. Donc, au final, c'est quand même la date de moins 200 qui va être gardée canoniquement dans l'histoire de Warcraft. Avec du coup Warlord of Draenor et Chronique, volume 2. Sachant qu'en fait, je vais pas mal en reparler tout au long de la vidéo, mais moins 2000 était préférable. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, moins 200, l'arrivée des Draenei en moins 200 à l'ouverture de la Porte des Ténèbres, ça fait peu, ça fait pas beaucoup. Je vous avais parlé de l'histoire des orques sur la vidéo précédente, qui en gros ont une histoire qui s'étale sur 800 ans, ça fait pas beaucoup. Eh bien, les Draenei qui arrivent en moins 200, ça fait vraiment, mais alors très, 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 trop peu, en fait. Puisque, globalement, pourquoi 2000 ans, ça aurait été mieux? Et bien en fait le Genedar va s'écraser dans ce qu'on appelle Nagrand, la zone qui s'appelle Nagrand. Alors il va pas tomber en un seul morceau, il y a plusieurs morceaux qui vont retomber, mais le plus gros morceau du Genedar va tomber en Nagrand et devenir une montagne qu'on appelle, enfin c'est d'ailleurs la montagne la plus sacrée des orques, hein, et qui est l'un des endroits les plus sacrés aussi de la culture chamanique dans son ensemble, même si c'est principalement orque évidemment. Et au final, eh bien, le problème, c'est que cette montagne, c'est pas pour rien qu'on l'appelle montagne, c'est pas parce que juste les orques sont complètement cons, et donc, comme ils connaissent pas la technologie, ils pensent que c'est une montagne. En fait, l'idée, c'est qu'il y a eu de l'érosion avec le crash, en fait, c'est tombé, ça fait un énorme cratère. Petit à petit, la végétation et même la roche s'est sédimentée autour du Genedar, autour de l'arche Naru, autour du vaisseau des Draenei. Et en l'occurrence, bah, vous l'avez d'ailleurs sur cette image qui est tirée de la cinématique de Battle for Azeroth où Sorfang va retrouver Thrall. On n'est pas, c'est pas juste une interprétation, c'est vraiment une montagne en fait. On voit vraiment une montagne. Et ça en 200 ans, bah, n'importe quel géologue vous dira que c'est pas possible en fait. 200 ans, c'est trop court. Mais c'est pas que pour ça, c'est pas juste d'un point de vue géologie. Et c'est là où moi personnellement 2000 ans j'aurais trouvé ça plus logique. Mais en fait, d'un autre côté, c'est surtout que les orques en moyenne vivent, enfin, on sait que les orques peuvent vivre jusqu'à à peu près 100 ans. Et en l'occurrence, si c'est moins 200 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, il y a la période qu'on appelle l'ascension de la Horde qui se passe légèrement avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, puisque c'est ce qui va aboutir à l'ouverture de la Porte des Ténèbres. Et donc ça veut dire qu'en 200 ans avant, eh bien potentiellement le grand-père ou l'arrière-grand-père, enfin le grand-père surtout, le grand-père des orques de l'époque a potentiellement vu le Genedar s'écraser en Nagrande. Alors, il était peut-être tout jeune, hein, mais il l'a vu. Et pour une race qui est capable de parler aux esprits des ancêtres, etc., morts, et que les esprits considèrent Oshogun aussi comme un lieu extrêmement sacré. Enfin, les orques considèrent que cette montagne est sacrée depuis des. Enfin, et c'est même dans l'ascension de la Horde, ils en parlent, depuis des siècles et depuis
enfin depuis, on a vraiment presque l'impression pour les orques que c'est là depuis la nuit des temps en fait. Donc moins 200 ans, ça paraît beaucoup trop petit. Ce qui, à mon sens, est encore une fois, en fait, toute la culture chamanique orque est basée sur le Shogun, qui est cette montagne, en fait. Donc, c'est un énorme problème. Surtout qu'en plus, le Naru qui est resté à l'intérieur du Genedar, qui s'appelle Kure, qu'on a déjà vu un petit peu avant, eh bien, malgré lui, il est gravement blessé et il est en train d'appeler les âmes des ancêtres orques à lui. Et en l'occurrence, eh bien, il va rassembler les âmes en fait. Ce qui fait que les ancêtres qui sont consultables par les chamans, comme on en a vu sur la vidéo d'avant, pas tous les orques ne peuvent pas parler aux esprits, mais les chamans, eux, peuvent communier avec les esprits. Et bah, en fait, si ça a que 200 ans, c'est-à-dire que bah ouais, les esprits, ils ont vu ce truc arriver, ils voient ce qui se passe. Ils peuvent en parler en disant attention quand même, on sait pas trop ce que c'est, machin. Pas du tout, il n'y a jamais eu d'avertissement à l'égard de le Shogun. C'est pour ça que ça me paraît vraiment beaucoup trop court. Et 200 ans, c'est pas terrible en vrai, c'est vraiment, vraiment pas terrible. En l'occurrence, revenons un petit peu sur la narration. Pendant que Kure justement s'écrase en agrande avec le Genedar, eh bien de son côté, il y a Kara qui va être éjectée en orbite donc autour de Draenor et qui va finalement planer. Alors c'est un truc pas terrible, c'est-à-dire que bah, il s'écrase pas le Naru, il s'écrase pas, il reste en orbite, mais c'est même ce qui est évoqué, c'est que c'est en orbite, sauf qu'il y a un problème de définition sur ce qu'est une orbite. Le truc, en fait, plane jusqu'à la vallée Ombre-Lune, la vallée Shadow Moon, et reste dans le ciel. Mais si on dit en orbite, bah du coup, quand la planète tourne, bah, le truc devrait tourner aussi. Mais non, il reste toujours en orbite autour de... Enfin, il reste toujours, du coup, en vol géostationnaire autour de la vallée Ombre-Lune. Donc, bon, il y a eu un petit problème de physique là-dessus, mais c'est pas grave. Et au final, eh bien, donc, pour les trois Naru, on a Kara qui reste planer en Ombre-Lune, donc en Shadow Moon. Les orques locaux, d'ailleurs, les orques Shadow Moon vont l'appeler l'étoile noire, ont baptisé ce qu'ils savent pas trop ce que c'est. Hein. Alors, c'est dommage parce que Chronicle a pas cherché à le justifier. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'en fait, bah, surtout quand ça sous-entendrait presque que Kara a décéléré pour ne pas heurter la zone. Là, à ce moment-là, Kara est passée en état du vide. Donc, à aucun moment, Kara pense au bien-être des populations locales. Au contraire. Donc, c'est presque dommage de ne pas avoir justifié le fait que c'est les chamans qui arrêtent la chute d'une météore, d'une étoile justement, et que c'est pour ça qu'elle reste bloquée en fait. Elle a été bloquée en l'air, ça aurait été plus logique, mais c'est pas le cas. En l'occurrence, donc, Kara plane autour de la vallée Shadow Moon. On a Kure qui reste bloqué dans l'ancienne arche du Genedar qui devient le Shogun, comme on l'a dit juste avant. Et enfin, le troisième Naru, c'est Doré qui fut quasiment tué par l'impact et qui a été resté coincé dans un des débris du Genedar, donc qui n'est pas tombé en Agrande, mais qui est tombé dans la forêt de Terrokar. Et qui c'est autour justement de ce débris que va être créé l'Oshindun, hein, la cité d'Oshindun, justement avec en son sein eh bien Doré, le troisième Naru quasiment qui est en stase en fait, hein, qui est abrité, qui est protégé, abrité dans une stase. Et au final, malgré la perte des Naru, eh bien, ce nouveau territoire, Draenor, semble être un refuge idéal pour les Draenei qui ne pourront plus fuir, hein, puisque le Genedar est hors course et que les Naru sont dans un piètre état. Mais au final, eh bien, ce monde, ils le baptisent Draenor, hein, comme je le disais, le monde des exilés. Et au final, eh bien, ils vont changer de stratégie, ils vont essayer vraiment. Alors, ça ne veut pas dire que sur les 12 mondes, ils ont toujours gardé la même stratégie, mais petit à petit, avec la destruction des mondes sur lesquels ils sont allés, eh bien, on est passé de Draenei extrêmement favorable à se mélanger avec les peuples autochtones, à au final une stratégie petit à petit d'essayer d'éloignement, de ne pas trop de pas trop en fait interagir pour essayer de se camoufler un maximum, et surtout en fait, bah, s'ils arrivent sur un monde et qu'ils se disent bah, de toute façon, on va devoir redécoller. Et ça sert à rien comment dire, ça sert à rien d'avoir un peu de compassion à l'égard des races locales parce qu'elles vont probablement être détruites. Compliqué comme rapport pour les Draenei. Et donc, eh bien, ils sont très soucieux de rester cachés aux yeux de la Légion et ils vont se dissimuler des autres races. Ils vont se dissimuler physiquement, mais ils vont en étant
généralement repliés dans des zones, etc., bien gardés, bien camouflés, mais aussi, eh bien, ils vont se cacher magiquement. Ça va encore beaucoup vous rappeler les hauts elfes, c'est-à-dire que les Draenei, eh bien, ont des pierres gardiennes qui leur permettent de s'abriter avec de la magie arcanique à l'intérieur des pierres et qui leur permettent, en fait, eh bien, de neutraliser, j'ai envie de dire, leur signature énergétique, hein. Globalement, en gros, c'est tout simplement des pierres gardiennes qui vont dissimuler leur positionnement avec des enchantements, etc., afin, donc déjà, eux vont se camoufler dans des zones, que ce soit dans des forêts, dans des montagnes, etc., en s'abritant déjà à l'œil des autochtones. Mais en plus de ça, eh bien, il y a le réseau de pierres gardiennes qui va dissimuler leur magie, leur utilisation de la magie, etc. Donc ça rappelle beaucoup les hauts elfes, bien sûr, d'Azeroth. Et au final, eh bien, ils vont être présents à différents endroits sur Draenor, mais ils vont surtout se regrouper à un endroit qui est justement pas loin d'Oshindoun, hein, qui est dans la forêt de Terrokar, au nord-ouest de la forêt de Terrokar. Et c'est une cuvette naturelle située dans les montagnes, qui n'est entre autres, pardon, que l'ancienne cité de Goria, donc l'ancien siège du pouvoir de l'Empire Gorien Ogre. Et au final, eh bien, c'est là qu'ils vont bâtir la cité de Chatras ou Chatrat. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, les ogres vont finalement découvrir que l'ancienne cité Goria est habitée. Et au final, ça, c'est un petit peu embêtant parce que quand ils vont découvrir que cette cité est habité, eh bien, les ogres vont être extrêmement choqués par cette découverte, bien sûr. Puisque, à la base, c'est quand même l'ancienne capitale de l'âge d'or des ogres, donc ils sont pas très fans de voir des mecs sortis de nulle part abriter les ruines, même si, bien sûr, ils restent extrêmement divisés sur la marche à suivre. On en avait parlé avec la destruction de Goria et donc de l'Empire Gorien. Eh bien, il restait des grandes cités-états ogres, mais qui se livrent des guerres et qui sont pas d'accord sur la marche à suivre, et donc des grandes cités extrêmement concurrentes sur l'avenir des ogres. Et donc au final, eh bien, il y a plusieurs cités ogres qui vont totalement ignorer le fait que, alors pas ignorer dans le sens ils ne le savent pas, c'est plutôt ils ont l'information mais ils s'en foutent en fait parce que Goria c'est le passé, eux ils se concentrent vers l'avenir. Mais il y a une cité qui est pas tout à fait d'accord avec ça et qui le prend très mal, c'est la cité de Cognefort ou Highmaul. Je préfère dire Highmaul d'ailleurs parce que Highmaul ça sous-entend le côté en haut, en fait, c'est un peu les hauts ogres, hein, si vous voulez, Highmaul, là où Cognefort, on n'a pas cette définition de haut, en fait. Donc j'aime bien le terme d'Highmaul. Et au final, eh bien, les ogres d'Highmaul ont des envies beaucoup plus bellicistes, hein. Il y a vraiment un appel à la guerre, appel à la reconquête, peut pas laisser des étrangers prendre place dans les ruines de Goria. Et malgré tout, eh bien, ils n'arrivent pas à s'accorder. Il y a des différents partis politiques, différents courants de pensée chez les ogres, chez l'aristocratie ogre, hein, qu'on soit clair. Hein, c'est pas le pouilleux qui décide. On reste sur un système gorien, hein, donc c'est l'aristocratie qui décide, mais au sein de l'aristocratie, tout le monde n'est pas d'accord. Et certains veulent marcher en guerre, d'autres ne savent pas forcément comment ça va se passer, et ils se disent que ça sert à rien, un petit peu comme les autres cités et États ne bougent pas, ça sert à rien de bouger. Et au final, eh bien, c'est 100 ans après l'arrivée des Draenei, donc en moins 100, que finalement, les ogres vont. Alors, ils l'ont pas appris à 100 ans, ils ont mis du temps avant de découvrir, on ne sait pas exactement combien de temps, mais ils ont mis du temps avant de découvrir la présence des Draenei. Mais on sait que l'intervention ogre ne s'est pas faite tout de suite, mais quand elle va intervenir, eh bien, ça va être sous l'égide d'un empereur ogre. Alors, attention, parce que avec le terme empereur, puisque. Alors, le terme impérator. Puisqu'à ce moment-là, on n'est pas sur un empereur pour tout l'Empire Gorien, ça n'existe plus. Donc en gros, chaque chef de cité-État, on va dire, c'est des sortes d'autodidactes, hein, c'est-à-dire que eux-mêmes se désignent comme empereurs, mais ça ne veut pas forcément dire que tout l'Empire, enfin, toutes les cités reconnaissent l'autorité de cet empereur, qu'on soit clair. Donc c'est l'empereur d'Aemol. Il y a potentiellement d'autres empereurs, par exemple, on sait au niveau du nord, on sait qu'il y a Fleshlam et d'autres bastions ogres qui ne vont pas forcément reconnaître l'autorité de ce personnage. Mais lui considère qu'il est l'empereur des ogres, mais en l'occurrence, c'est surtout l'impérator Daimol. Et en l'occurrence, eh bien, le cher Oclon, hein, que vous voyez ici, pour lui, ça reste un sacrilège et il va beaucoup, beaucoup œuvrer pour justement, eh bien, faire en sorte que l'aristocratie le suive, pour pouvoir agir avec et du coup dégager les petits bleus de Goria, en fait, hein, qu'ils jugent comme étant des êtres inférieurs, puisque forcément, physiquement, un ogre dépasse
en taille un Draenei. Donc ils peuvent pas souiller le cœur de l'Empire Gorien, c'est pas possible. Et au final, le nouvel empereur, donc comme je le disais, Oklon, hein, c'était pas lui avant, Oklon, eh bien, va finalement réussir à se mettre dans la poche le reste de l'aristocratie de Highmaul, hein, de Cognefort, et il va vouloir profiter de cette occasion pour essayer d'asseoir son autorité de manière permanente, notamment sur les autres cités concurrentes de Highmaul. Son rêve, c'est justement en fait de rebâtir l'Empire Gorien. C'est ce à quoi aspirent beaucoup d'ogres, mais lui, eh bien, il pense que Highmaul peut devenir la nouvelle capitale, et en reprenant Goria, c'est un énorme geste politique, c'est un énorme coup d'éclat pour justement Highmaul, et donc qui pourrait eh bien, éventuellement relancer l'Empire Gorien. Et ça, le truc, c'est que, donc, en moins 100, comme je le disais, l'aristocratie va finalement soutenir Oklon, et eh bien, l'armée ogre d'Highmaul va se mettre en marche sur Shattrath. Le truc, c'est que les ogres, ils arrivent en nombre. En plus, déjà, les ogres, de base, un ogre, c'est quand même sacrément costaud. En plus, vous avez les arcanistes ogres, etc. Donc, ça rigole pas. Mais bah, ils arrivent avec le nombre. Hein. Les Draenei, ils sont pas aussi nombreux que les ogres. Et là, les ogres, ils arrivent, la fleur au fusil. Bon, ils ont pas de fusil, mais bon, la fleur au gourdin. Et ils sont très contents, les chants de guerre, etc. Ils vont avoir les tambours, etc. On est en belle colonne, hein, on est très content, on est bien. Le truc, c'est que lorsqu'ils vont lancer le premier assaut, ils s'attendent à une victoire assez facile, parce que bon, bah, les Draenei ont l'air beaucoup plus faibles qu'eux. Et donc, lorsque le premier assaut est envoyé, on s'attend à une victoire assez courte, enfin une victoire assez facile pour l'Empire, enfin pour les restes de l'Empire Gorien. Et en finale, eh bien, les défenseurs vont complètement repousser avec beaucoup de facilité le premier assaut ogre, notamment avec la vaillance des défenseurs, la vaillance des combattants, qui sont dirigés notamment par trois redresseurs de Thor, à savoir Akama, Nobundo et Marad, hein, des noms que vous connaissez peut-être, et que vous apprendrez à connaître notamment dans l'Ascension de la Horde, qui sera la vidéo d'après. Et en l'occurrence, en plus de ça, bah, les ogres, qui sont très très fiers de leur magie, ont l'air en fait d'enfants Draenei, à côté justement des Draenei qui sont, bah, comme on le disait, qui sont des maîtres dans la sorcellerie, des maîtres dans l'utilisation de la magie. Et donc, eh bien, les ogres sont complètement impuissants, et au final, la première vague des ogres se fait anéantir. Sauf qu'au moment où ils vont se regrouper pour lancer un second assaut, eh bien, ils n'en auront jamais le temps, puisque il y a une contre-attaque qui va être lancée par les Draenei, qui s'était préparée justement à l'arrivée des ogres. En même temps, on peut pas se mentir, les ogres, c'est pas les plus discrets à ce niveau-là. Surtout quand ils arrivent conquérants en mode on va gagner, ça fait du bruit, ça fait beaucoup de bruit, un ogre. Et donc quand il y en a des milliers, bon bah ça fait vraiment énormément de bruit. Et donc, eh bien, ils s'étaient préparés à cet assaut, et au final, eh bien, la contre-attaque va être lancée, avec notamment menée par des Rangari, qui sont les forestiers Draenei, qui eh bien, vont frapper extrêmement rapidement dans les arrières de l'armée ogre, l'objectif étant de décapiter la tête du serpent afin que l'armée ogre eh bien, ne sache plus quoi faire. Et derrière, eh bien, ça va tout simplement détruire l'offensive dans l'œuf, puisque les Draenei arrivent à tuer l'état-major ogre, hein, les grands généraux, mais aussi à massacrer Oklon, qui du coup, eh bien, va mettre fin à l'envie de l'Empire Gorien, et notamment aux ogres de Highmaul, de récupérer Goria, puisque l'armée ogre est complètement sous le choc et complètement stupéfaite. L'objectif des Draenei a été accompli. C'est à ce moment-là que Velen va monter sur les remparts de Shattrath et va eh bien, tout simplement prendre la parole et proposer aux ogres de rentrer chez eux afin de regagner leur foyer. Il ne leur sera fait aucun mal. Les ogres, face à cette déroute complète, eh bien, vont effectivement partir, fuir Shattrath, même si au final beaucoup d'ogres resteront présents sur Terrokar, qui restera un territoire ogre encore de nombreuses années. Malgré tout, il n'y aura plus jamais aucune tentative pour récupérer Goria ou Shattrath, hein, bien sûr, qui maintenant est au contrôle des Draenei, des petits bleus. Et donc, eh bien, c'est aussi un événement extrêmement marquant, extrêmement important, puisque c'est vraiment la fin du retour de l'Empire Gorien, puisque c'était la plus grande tentative d'un retour en force de l'Empire Gorien. Ce sera la dernière au final, puisque plus jamais on aura une armée ogre de cet acabit.
en tout cas sur le continent de Draenor que l'on connaît. Et donc, le retour de l'Empire Gorien a été neutralisé après un seul assaut. C'est dire à quel point les Draenei ont été efficaces. Et au cours des années qui vont suivre, eh bien, le Naru Kure continue de s'affaiblir par le crash du vaisseau enseveli dans le Genedar, hein, l'arche Naru, parce que c'est surtout Naru à la base, les Draenei vivaient dedans, mais c'est une arche Naru. Et au final, eh bien, Kure voit ses énergies s'épuiser. Petit à petit, son cycle de vie touche à son terme, au moment terrible, puisque son cycle de lumière est en train de prendre fin et on va vers un cycle du vide. En l'occurrence, ce cycle du vide arrive inéluctablement, attirant les esprits des morts autour de lui, quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, puisqu'il va y avoir des ogres et des orques, etc. Mais au final, eh bien, il va les dévorer malgré lui, étant emprisonné, étant enfermé dans son propre corps, puisque il est encore capable de parler, etc. Mais en fait, le cycle du vide a commencé, donc il arrive pas, il est totalement impuissant et il dévore les âmes autour de lui. L'effet de courir sur les âmes des ancêtres orques va pousser notamment les chamans orques à commencer à vénérer ce lieu qui va devenir sacré à leurs yeux, puisque au final, les âmes de leurs ancêtres sont guidées vers le shogun et les orques y voient un signe d'un endroit extrêmement saint, extrêmement important. Et c'est là que la montagne va porter finalement son nom d'Oloshogun, hein, l'Oshogun, qui en fait signifie la montagne des esprits. Pour les peaux vertes, les peaux marrons, pardon. J'arrive plus à suivre avec la peau des orques. Généalogie sur les orques, évidemment. Devenant donc, l'Oshogun devient un lieu sacré, sanctifié, où au final, va se dérouler le Kosharak, cette cérémonie qui arrive deux fois par an, où les orques se réunissent, parlent avec tous les clans, parlent un petit peu entre chamans, parlent un petit peu entre guerriers, c'est là où on fait les rites d'apprentissage pour les plus jeunes, etc., etc. Et en l'occurrence, justement, les chamans vont considérer Oshogun comme un lieu de pèlerinage, un petit peu comme le trône des éléments, et ils vont également aller dans les cavernes, dans les grottes de la montagne de l'Oshogun. Et au final, ils vont déposer des tribus, déposer des offrandes pour les ancêtres, et notamment à un endroit où l'eau, une sorte de caverne où il y a de l'eau en fait qui s'est agglomérée. Et en fait, les chamans vont commencer à faire des prières près du bassin, et ils vont toujours en fait, ils se rendent compte que quand ils sont près du bassin, ils arrivent plus facilement à communier avec les esprits des ancêtres. Et en l'occurrence, petit à petit, à force de faire justement ces rituels, l'eau en fait du bassin va devenir bénie petit à petit par les chamans, par l'intervention des chamans. Et finalement, plus ils font ça, plus c'est facile de communier avec les esprits. Et donc il y a un cercle vertueux qui va se créer. Et en fait, ce rituel, ces actes de grande spiritualité au cœur des cavernes qui forment la montagne de l'Oshogun, ça va contribuer à la régénération de Kure qui petit à petit retourne vers son cycle de lumière et s'écarte de son cycle du vide. Et ça c'est. Mais le truc c'est que les orques le font pas exprès, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, mais petit à petit en fait ça soigne Kure. Et ça c'est assez étonnant parce que les Draenei forcément c'est un endroit extrêmement important pour eux avec l'un de leurs dieux, ils vont surveiller les agissements des orques sans pour autant intervenir. Regarder, bien sûr, suivre la situation d'un œil scrutateur, mais ils vont jamais interférer directement, regardant un petit peu ce que font les autochtones. S'ils commencent à détruire leur œuvre, etc., là ils vont intervenir, mais au final, non. Les orques bénissent au final la montagne, et donc indirectement à un Naru, hein, donc c'est extrêmement satisfaisant pour les Draenei. Ils restent attentifs, certes, ils rôdent dans l'ombre, mais ils n'interviennent pas. Et au final, les Draenei, petit à petit, vont commencer à échanger et commercer avec les différents clans orques. Généralement, les Draenei vont brader certains de leurs outils, certains joyaux, hein, pour pouvoir s'acheter des minerais un peu plus rares, des peaux de bêtes, plein de choses que les orques peuvent commercer en fait. Ça dépend des clans bien sûr, ça dépend des endroits dans lesquels ils sont, etc. etc. Toutes sortes de produits en fait et de matières premières globalement. Et ces échanges vont rester quand même relativement rares et surtout extrêmement brefs. Hein, c'est des échanges qui durent une après-midi puis ensuite on s'en va.
Et au final, les Draenei sont vraiment considérés comme des curiosités par les orques, qui se disent, tiens, ces êtres bleus, etc., c'est très étrange. Et au final, chacun reste dans son coin et tout va bien. Même s'il y a quelques échanges, ça reste vraiment dans son coin. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'on l'avait vu dans la vidéo précédente, qu'au final, les orques avaient coupé tout commerce entre eux. Et finalement, après, derrière, avec les cochards, pas de problème, ils recommercent. Ce qui est rigolo, parce qu'au final, bah, ça veut dire qu'ils auront eu plus d'échanges avec les Draenei qu'entre eux. Mais bon, à une époque, à une certaine époque. Et au final, eh bien, les orques ont aussi vu les ogres s'empaler sur les défenses de Shadrath, et à chaque cochargue, eh bien, on en parle, on dit, regardez, les ogres ont tenté de récupérer Goréa, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et au final, les orques pensaient que les Draenei étaient inoffensifs, mais la défense de Shadrath et le fait que l'armée gorienne ait été tenue en échec, même si c'est l'armée gorienne de Heimol, ça reste quand même une grande armée qui faisait peur à tous les clans orques. Et donc, eh bien, la démonstration de force de la défense de Shatra a impressionné les orques. Après, les orques ne sont pas tous les mêmes, les clans orques ne réagissent pas tous de la même manière. Certains orques sont plutôt d'avis de commercer. Et au final, eh bien, la rumeur va se répandre pendant le Kosharax et on va petit à petit découvrir de plus en plus d'infos sur les Draenei. Et il va y avoir une véritable méfiance avec certains qui ont peur et qui veulent les éviter, d'autres qui veulent d'autant plus commercer parce qu'ils ont probablement accès à des choses extraordinaires et donc renforcer leurs relations commerciales avec les Draenei. D'autres veulent se battre parce qu'apparemment ce seraient des adversaires plutôt méritants. Et certains, justement, se disent que les Draenei ont laissé les ogres partir. Donc il y en a encore beaucoup qui sont dans la forêt de Terrokar. Et le fait qu'ils aient laissé les ogres partir, ce serait vu comme un signe de faiblesse en fait. Ils n'ont pas. N'ont pas profité de l'ascendant qu'ils avaient sur l'armée ogre, ils auraient pu en finir à ce moment-là, et ils voient ça comme de la faiblesse. Et donc, finalement, eh bien, il n'y a aucun consensus qui va être trouvé entre les clans orques, chacun va agir un petit peu comme il veut, selon les chefs de clan. Même si globalement, tout le monde reste un petit peu, garde le statu quo, c'est-à-dire une relation assez distante. Tous sauf un clan orque, un clan de la forêt de Terrokar, justement, qui voit d'un très mauvais œil l'installation des Draenei si proche de leur terre, sachant qu'il y avait une grande concurrence alimentaire sur place, hein. Il y avait déjà les ogres, ils sont toujours là, il y a aussi des briseurs, il y a les primordiaux, il y a les Zarakoa, et maintenant vient s'ajouter les Draenei, ça commence à faire beaucoup. Et ce clan orc, hein, le clan Bladewind, le clan Vent de l'âme, on va l'appeler Bladewind, ça va plus vite, qui voit ça d'un très 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 mauvais œil. La présence des Draenei dans une région, encore une fois, au niveau géopolitique, c'est un sacré bordel. On est sur le carrefour de Draenor, hein. On est vraiment sur l'endroit où il y a toutes les civilisations qui se rencontrent. Donc ils voient ça vraiment, enfin ils sont vraiment vraiment sur la défensive et ils vont observer les Draenei avec attention, les surveiller, récolter des informations qu'ils vont partager d'ailleurs au sein des Kosharargues, des différents Kosharargues, les moments de réunion des orques. Et au final, eh bien, petit à petit, ils apprennent les routes, les trajets des caravanes Draenei, des différents mouvements de troupes, Draenei, etc. Et une fois qu'ils ont glané ces informations, et bien un jour ils vont lancer une attaque dévastatrice sur les caravanes Draenei. Et au final, et bien les éclaireurs Rangari, les éclaireurs Draenei, donc les forestiers Draenei, on prend encore d'ailleurs le côté elfique, hein, des forestiers, puisque la plupart des villes Draenei se sont cachées dans des forêts, notamment la forêt de Terrokar, et bien les éclaireurs Draenei vont découvrir les caravanes complètement détruites, complètement pillées, avec les marchands qui ont été enlevés. Et au final, eh bien, ils se rendent compte qu'il y a des traces des orques, et notamment des traces du clan orque Bladewind. À ce moment-là, les Draenei ne savent pas vraiment comment réagir. Est-ce que, du coup, eh bien, on va lancer une offensive punitive sur les orques Bladewind? Est-ce qu'on va attaquer tous les orques? On ne sait pas trop. Certains se disent que c'est un geste peut-être de confusion, peut-être qu'il y a eu il y a eu incompréhension entre les orques et les Draenei, enfin on sait pas trop. Et au final, Velen va privilégier justement la sécurité, et donc va privilégier la ruse et la discrétion. Il veut glaner des informations avant, eh bien, d'attaquer les orques. Et finalement, les Rangari vont être chargés de la libération des prisonniers, vont retrouver les prisonniers justement, et finalement, eh bien, la situation va s'envenimer. Et finalement, il va y avoir de nombreuses victimes parmi les prisonniers, parmi les Rangari et aussi parmi les orques, surtout parmi les orques. Au final, Velen sait que les orques respectent la bravoure du combat. Hein, il s'est rendu compte, un petit peu comme les ogres, qu'il fallait leur en mettre un peu dans la gueule pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un bon adversaire.
Et au final, les caravanes vont être radicalement renforcées avec des soldats drainés qui vont accompagner les marchands. Et au final, eh bien, les rares pillards qui vont attaquer les caravanes vont complètement s'empaler dessus. Les défenses des redresseurs de Thor sont incassables, ce qui fait que eh bien, les Draenei vont avoir de moins en moins de problèmes. Et au final, les Rangari vont quand même réussir à sauver quelques prisonniers, mais pas tous. Et au final, ceux qui ne furent pas libérés, ceux qui ne furent pas tués, vont être échangés comme esclaves entre les clans orques, et notamment certains vont s'hybrider avec les orques et donner naissance à une progéniture métisse. Alors, d'un point de vue biologique, c'est pas possible. Enfin, on en reparlera en fin de vidéo, mais techniquement, à une époque, les Draenei étaient natifs de Draenor, d'où le nom Draenor d'ailleurs. Donc, l'hybridation orque-Draenei, c'était tout à fait possible. Mais avec ce que je vous ai conté, comme quoi ils viennent d'une autre planète, l'hybridation entre deux races, bon, c'est compliqué. Mais bon, ça, Et le fait qu'il y ait eu de la mixité entre les deux date d'avant, justement, la réécriture, donc en soi, bon. Mais bon, en l'occurrence, il va y avoir une hybridation entre les orques et les Draenei. Donc là, on vous a mis avec Evanessor une petite partie d'exemple de semi de sans mêlée en fait, hein, Draenei et orques. Donc des fois ils ont la peau bleue, des fois ils ont la peau grise, des fois ils ont la peau marron, des fois. Bon, la peau verte c'est plus tard, mais on en reparlera. On en reparlera. Et au final, eh bien, les Bladewind vont notamment fournir une bonne partie de ces esclaves Draenei. Et au final, avec les affrontements, les Bladewind vont de plus en plus respecter les Draenei. Ils voient en eux d'un formidable adversaire. Et finalement, ils n'attaqueront pas les caravanes lourdement défendues et vont plutôt se focaliser sur les caravanes très peu défendues. Et pour eux, c'est pas genre de la haine en fait, hein, c'est juste que justement c'est une sorte de sport en fait. C'est-à-dire que comme les Draenei sont de formidables adversaires, de grands combattants, eh bien c'est en affrontant de grands adversaires qu'on s'améliore soi-même en fait, hein. Et c'est globalement ce que veulent les Bladewind. Et au final, Velen lui va pas laisser faire, hein. Il continue de protéger les caravanes, et donc les affrontements se font quand même assez rares. Et Velen veut pas pousser plus l'affrontement parce que bah il veut rester. Encore une fois, Velen veut privilégier la discrétion plutôt que la force armée. Les Draenei vont rester, donc c'est pour ça que les Draenei vont continuer à rester dans leur coin. Ils n'inviteront jamais de chef de clan orc ou d'orc tout court dans leur ville. Les relations sont, de manière générale, en dehors des Bladewind, de manière générale, restent cordiales, même si elles sont extrêmement distantes, hein. Chacun reste dans son coin, on respecte les terres de l'autre. Et il y a encore une fois cette volonté de discrétion des Draenei qui s'impose afin toujours plus d'échapper à la Légion Ardente et donc à l'œil scrutateur de Kil'jaeden. Sauf que finalement, eh bien, un jour, Talgas va les retrouver. Talgas, le pisteur en chef de Kil'jaeden, va retrouver les siens et il va en informer Kil'jaeden. Et Kil'jaeden va changer d'approche. Puisque globalement, à chaque fois, ils sont arrivés en force quand Talgas les a repérés. Talgas a invoqué ses frères et sœurs, et au final, eh bien, petit à petit, la Légion Ardente est passée à travers les portails et a massacré tout le monde sur place. Finalement, Kil'jaeden a envie de changer d'approche. Il a envie de voir comment ça va se passer si on y va de manière un peu plus souple, un peu plus subtile. Il a peur que les Draenei repartent aussitôt. Ça, c'est assez intéressant puisqu'il n'a pas les informations comme quoi le Génédar ne peut plus redécoller et donc eh bien, les Draenei sont bloqués sur Draenor. Parce que s'il avait ces infos, bah, il réattaquerait en force. Mais donc, eh bien, il va vouloir essayer d'utiliser les autochtones, les forces locales, afin de ne pas effrayer les Draenei et de pouvoir eh bien, resserrer le piège, resserrer l'étau autour de Velen et des siens. Et il va donc demander à Talgat d'enquêter sur les races locales. Et finalement, eh bien, il va être fasciné avec les rapports que lui donne Talgas, il va être fasciné par une race en particulier, à savoir les orques. Kil'jaeden avait un plan pour que les Draenei ne lui échappent pas. Ce plan, c'était tout simplement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grande invasion démoniaque, mais d'amener les démons au sein des peuples locaux, en l'occurrence détruire de l'intérieur les Draenei en utilisant la race locale, les orques, afin que les Draenei ne puissent pas s'échapper, et nous verrons ces événements dans l'ascension de la Horde. On la fera en deux parties cette vidéo, l'ascension de la Horde. Donc, c'est la fin de cette vidéo sur les Draenei.
Alors, ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire Draenei, puisque les Draenei vont avoir beaucoup de choses à jouer dans l'ascension de la Horde, forcément. Mais même si, bon, pour le coup, la narration est terminée ici, moi, je vais continuer un petit peu sur 2-3 trucs, puisque c'est vrai que, je ne sais pas si ça s'est vu, mais la narration a été un peu plus... a été moins, on va dire, semée d'obstacles, d'incohérences et autres. Alors, il y a quand même des moments où j'ai essayé de relier des choses, c'est un petit peu délicat, mais de manière générale, c'est vrai que l'histoire d'Anaï est fascinante. Vraiment, elle est très très intéressante. C'est une race qui a subi en plus l'un des plus grands retcons de l'histoire de la licence Warcraft, à Burning Crusade, avec, eh bien, les Draenei, à la base, c'était ça, hein, un Draenei. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les roués ou les perdus. Sauf que à l'époque de Warcraft 3, c'est ça, un Draenei. C'est pas les Eredar. Les Eredar, ce sont les généraux de la Légion Ardente, mais ce sont des démons. C'était d'ailleurs des démons primordiaux, des démons originels. Les Draenei, c'était des habitants, des autochtones du monde de Draenor, qui vivaient aux côtés des orques. Et au final, à Burning Crusade, ce qui a été fait, ça a été de mélanger le peuple Eredar avec les Draenei de Draenor. Et donc, eh bien, en fait, les Draenei sont des Eredar, comme on l'a vu au début de cette vidéo. Et les Draenei, c'est ceux qui ont été laissés de côté, etc. Et donc, Draenor, c'est le monde des Draenei, c'est pas faux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça, c'est un très très grand retcon, hein, donc une réécriture. J'ai fait une vidéo sur ce que sont les retcons, si jamais vous êtes un peu perdu là-dessus. Et même si vous n'êtes pas perdu, allez la voir, d'ailleurs, cette vidéo. Et au final, eh bien, ça a permis de développer. C'est généralement, je l'utilise comme exemple, que retcon ne veut pas forcément dire mauvaise chose, parce que le retcon de l'histoire de Draenei a été très intéressant à Burning Crusade. Le bémol, à mon sens, le gros bémol, à mon sens, c'est surtout le rapport à la technologie des Draenei, mais on y reviendra après, qui est assez violent. En attendant, petit point aussi sur l'histoire de Draenei, qui est assez intéressante, puisque les Draenei ont aussi évolué dans l'histoire de la licence Warcraft. Avec à la base, vous l'entendez, ce sont des musiques de Burning Crusade d'ailleurs, et au final, les Draenei, c'est un peuple qui a une énorme inspiration orientale, asiatique, avec plein enfin, c'est un mélange de plein de cultures asiatiques, et à Burning Crusade, elle englobe tout, mais au final, la plus importante, la plus grande, c'est tout simplement l'hindouisme. En gros, les cultures indiennes, c'est un truc qui marche. Enfin, très très bien, hein, les Draenei, je rappelle, la monture raciale, c'est un éléphant. Ils vivent dans des temples qui font extrêmement temple hindou. Ils ont vraiment ce rapport justement avec le triumvirat, etc. Enfin, triumvirat, je vais dire, c'est latin, mais il y a ce système au final de caste, etc. Enfin, il y a tout un mélange, il y a tout un grand pan, même au niveau des musiques, etc. On est vraiment sur une culture très très indienne, même si encore une fois il y a plein de mélanges, hein. Il y a vraiment plein de mélanges de cultures orientales, un petit peu aussi latine, mais c'est un mélange de plein de cultures. Et au final, avec Warlord of Draenor, on va changer. Alors, on change pas du tout au tout, mais avec Warlord of Draenor, eh bien, l'une des cultures qui était, on va dire, faisait partie de la grande mosaïque de l'histoire Draenei de Burning Crusade, eh bien, va devenir peut-être la plus importante, va reléguer l'hindouisme et la culture indienne à un second plan, et elle va s'imposer au sein de la culture Draenei, c'est la culture hébraïque. Donc, globalement, tout ce qui est la culture juive, notamment, on l'entend au niveau des musiques. Là, c'est rigolo parce que j'ai justement une des musiques de Wood qui a succédé à la musique de Burning Crusade. Et je vais vous mettre justement, alors c'était Light in Darkness, je vais vous mettre la musique qui est intitulée Malak. Et Malak, c'est de l'hébreu d'ailleurs. Hein, c'est pas moi qui suis en train de faire des trucs de taré, c'est de l'aveu même des devs, et ça s'entend en fait. Les musiques de Warlord of Draenor, on n'est plus du tout sur le style indien, on est sur un style beaucoup plus proche Moyen-Orient, et même, j'ai envie de dire, plus proche oriental, avec la culture hébraïque. Et encore une fois, même les musiques, les compositions, etc., c'est de l'hébreu. Donc c'est quelque chose. Puis même, l'inspiration juive a toujours été présente, mais encore plus grande avec Warlord of Draenor. On a un prophète qui va, avec son peuple, le peuple élu par des dieux, par le dieu qui, à un moment donné, le dieu de la lumière, enfin les dieux de la lumière en l'occurrence, mais qui ressemble à des tablettes d'ailleurs, c'est rigolo, là-dessus les Naru. Au final, ils ont le commandement divin, il a des visions, il a des prophéties où il voit l'avenir, etc. Ils vont rejoindre des arches pour se sauver, la musique que je vous ai mise, et la place de la lumière au sein de la civilisation qui fuit un déluge permanent, etc.
on a le côté biblique à fond les ballons chez les Draenei de Wod, plutôt l'Ancien Testament évidemment, puisque c'est plus hébraïque. Et ça, c'est assez intéressant parce que on en reparlera sur la vidéo sur Wod, parce que là, vous allez me dire, bah oui, ok, tu vas où avec Samuel Janir? On va en reparler sur la vidéo de Wod, parce que les Draenei, s'ils représentent le judaïsme, leur adversaire, eux, ils représentent quelque chose d'autre, hein, notamment les orques. The World of Draenor représente beaucoup plus le Troisième Reich. Donc World of Draenor a un thème assez sérieux sur le papier et on en reparlera dans la vidéo sur Wood. Culture, de la culture Draenei. Moi ce que je reproche un petit peu, c'est surtout au niveau artistique, je pense que vous le voyez ici, pourtant j'adore Irel, mais le côté même vestimentaire en fait des Draenei a été assez abandonné. Aujourd'hui les Draenei, on les connaît avec des gros cristaux, des énormes, alors ils ont toujours eu des cristaux hein, même ABC, hein, mais des énormes armures. En fait, si vous regardez les armures Draenei, on dirait des armures humaines. En fait, c'est des armures humaines dans lesquelles on a enchâssé des énormes cristaux, donc ça fait un petit mixte humain au elf. C'est juste qu'au lieu d'avoir des gemmes violettes, vertes ou rouges, c'est des gemmes, enfin je vais dire bleues, des gemmes bleues, rouges ou vertes, c'est des gemmes violettes. Mais globalement, en fait, si vous regardez Draenei, moi j'ai été choqué, c'est que, un truc bête, Turalyon, si vous regardez son armure, on n'est pas choqué par l'armure. Je veux dire, bien sûr, il y a des cristaux, tout ça, mais en fait, on n'est pas si choqué que ça. En fait, c'est normal parce que les armures Draenei sont des armures humaines, en fait. Alors... Pareil, l'armure de Marat, c'est une armure qui était déjà là à ABC, mais à Burning Crusade, on avait beaucoup plus de Draenei dans des looks un peu plus orientaux. Et c'est vrai que ça, je le regrette un petit peu, c'est qu'on ait perdu ce côté-là, du côté de Draenei. Que l'armure de plaque soit présente, d'accord, mais qu'on perde tout le reste vestimentaire de Burning Crusade, ça, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est pas très grave. Hein. Et en l'occurrence, encore une fois... L'histoire de Draenei a surtout été marquée par Burning Crusade. Pour une fois, je dis du bien de Burning Crusade, vous entendez. Et au final, comme je disais, l'histoire de Draenei est ultra intéressante et ultra tragique. Donc ça a été un véritable plaisir de bosser dessus dans le cadre de préparation de vidéos qui sont pas forcément comment dire, gratifiantes d'un point de vue créateur et d'un point de vue lore. Parce que World of Draenor, il y a beaucoup, 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 beaucoup de conneries. Et donc celle-ci a été vraiment un grand plaisir, donc on a voulu, vous voyez, elle fait plus d'une heure parce qu'on a beaucoup bossé dessus, on a rajouté énormément d'éléments, on voulait rentrer dans le détail, ça a été vraiment un plaisir avec Evanessor de bosser sur cette vidéo, j'en profite bien sûr, n'hésitez pas à suivre Evanessor dans la description, il y a tous les liens, etc. Néanmoins, j'ai quand même un petit point à dire, c'est que c'est extrêmement dommageable que les rouées qui sont l'essence même de la création des Draenei dans Warcraft soient autant mis de côté. C'est quand même les Draenei originels. Et enfin les Draenei originaux du coup, mais non, les Draenei originels, et au final qu'ils ne soient toujours pas jouables après 20 ans de jeu et qu'on s'en foute un petit peu à tel point qu'à Légion, la race alliée du front argusien qui était représentée par les Draenei restés en retrait sur Argus qui sont déroués, en fait les représentants du front argusien c'est les elfes du vide qui sortent de nulle part. J'avoue que moi personnellement j'ai tendance à trouver ça être l'une des plus grandes injustices de Warcraft. Les rouées, c'est quand même, même si bien sûr les rouées sont moches, donc beaucoup préfèrent les Draenei calqués sur le côté démoniaque. Hein, les Draenei actuels sont calqués sur le modèle d'Archimonde, donc un modèle démoniaque. C'est pour ça que les femmes Draenei sont aussi belles, hein, c'est des succubes en fait. Hein. Bah, certes, ils sont stylés, certes, évidemment, il y aura beaucoup plus de joueurs qui joueront ces deux races-là, mais enfin, ces mâles et femelles Draenei, mais. Ça, c'est quand même le Draenei originel à la base, et ce serait bien de le respecter. Ils peuvent être côte à côte, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, c'est juste mon petit bémol, c'est que je trouve que c'est quand même eux qui sont le socle de la civilisation Draenei, et on les a quand même vachement mis de côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu un cri du cœur pour Evanessor et moi, cette vidéo, parce que les Draenei, il y avait beaucoup de choses à dire, c'était vachement intéressant. La prochaine vidéo, ce sera l'Ascension de l'Ordre d'un point de vue narratif, mais ce ne sera pas la prochaine vidéo, parce que ça va être un énorme morceau, l'Ascension de l'Ordre, peut-être même plus gros que World of Draenor, je déconne pas. Et donc la prochaine vidéo, ce sera sur Burning Crusade et justement la transition Burning Crusade World of Draenor en termes de décor, et c'est là que vous allez comprendre un peu pourquoi sur ces vidéos de Wod j'ai toujours mis ce fond de champignons, bien entendu. Et d'ailleurs la petite anecdote, c'est que la ville que vous voyez tout en haut du champignon, c'est Tel Redor, une ville Draenei. Voilà, plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Oui, bonjour, je suis Sargeras
Et j'apparais devant vous en prenant la forme de l'animal le plus sacré à vos yeux. J'étais apparu en forme de lumière chez Draenei, mais, enfin les Eredar, là, c'est un cheval, c'est moi badass. Mais vous noterez quand même l'ironie de la chose, c'est que je me suis présenté en forme de lumière, Vélène m'a dit non, et quand un être de lumière est venu voir Vélène un petit peu après alors qu'il s'est rendu compte qu'il y avait Anguille sous roche, il a accepté complètement. Il y a un problème, il est pas bien ce monsieur, il faut l'aider. Il faut l'aider, papy. Bon, bisous, bonne nuit.